Bienvenue à cette autre présentation de la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal en revue. Lors de l'épisode précédent, je vous disais que les Royaux ont cédé John Wright à un club de niveau inférieur et signé un nouveau lanceur afro-américain nommé Roy Partlow pour prendre sa place. Et j'aurais aimé vous donner la réaction de Jackie Robinson face à cette décision-là. Mais, et je pense que ça montre bien à quel point le monde médiatico-sportif a changé depuis 1946, je n'en ai pas trouvé. Si l'intégration se faisait aujourd'hui, là, on s'entend, il y aurait eu 50 micros devant le nez de Jackie dès la seconde de l'annonce du remplacement de Wright par Partlow, mais je n'ai pas vu de réaction nulle part dans les différents journaux que j'ai étudiés. Cela dit, la saison s'est poursuivie. Les Royaux avaient 4 matchs à disputer sur la route, pas d'arrêt à Syracuse ni à Baltimore, heureusement. Mais il faut le mentionner, il y a des villes dans le circuit où Jackie était bien accueilli, comme par exemple à Buffalo. Lors d'un programme double disputé là-bas le 19 mai, Jackie a reçu, selon les journaux, une magnifique ovation des quelques 12 000 spectateurs présents, et la communauté noire de Buffalo a organisé une fête pour Jackie et Roy Partlow entre les deux matchs du programme double. On leur a remis de l'argent, des montres et des sacs de voyage. Et le grand perdant dans toute cette histoire-là, encore une fois, c'est John Wright. On présume que l'événement a été organisé alors qu'il était encore avec l'équipe et que c'est lui qui devait être fêté, en plus de Robinson, évidemment. Si le pauvre Wright avait été rétrogradé une semaine plus tard, il aurait au moins reçu les cadeaux et la bourse. Au lieu de ça, c'est Partlow, qui lui avait pas vécu le camp d'entraînement en Floride, qui avait pas été insulté par la foule à Baltimore, qui les a reçus à sa place. Jackie, pour sa part, évidemment, il aimait mieux les ovations et les fêtes que les huées, ça va de soi. Mais il a aussi dit que ça le rendait très nerveux quand il voyait beaucoup de gens de sa communauté suspendus à chacun de ses gestes sur le terrain. Et cette pression-là est peut-être pas étrangère au fait qu'il a réussi un seul coup sûr en 4 présences officielles au marbre le jour de la fête qui lui a été organisée à Buffalo. Au cours de la saison 46, Jackie était véritablement le point de mire de l'équipe, de la Ligue et vraiment du Montréal sportif au grand complet. L'attention finissait toujours par revenir sur lui d'une manière ou d'une autre. Et on en a eu 2 bons exemples vers la fin du mois de mai. Premièrement, le 21, les journaux ont annoncé que Montréal aurait une nouvelle équipe de football professionnel qui évoluerait au stade de Laurimier dès l'automne, qui s'appellerait les Alouettes. Et l'entraîneur des Alouettes, Lou Amon, a déclaré aux journalistes alors qu'il assistait à une partie des Royaux qu'il comptait offrir un contrat à Jackie pour demeurer à Montréal et jouer au football après la fin de la saison de baseball. On sait que Robinson était une grande star du football à l'Université de Californie à Los Angeles. Ça aurait assurément été une grosse prise pour la nouvelle équipe que de l'avoir dans l'alignement. L'affaire, par contre, n'a pas eu de suite. Deuxièmement, les paris illégaux étaient un véritable problème pendant les matchs au stade des Royaux. À un point tel que, pendant une partie disputée à la fin mai, il y a un spectateur qui a fait annoncer par l'annonceur maison qu'il donnerait 5$ au premier joueur des Royaux qui frapperait un circuit, on présume dans le but de gagner un pari. Peu de temps après cette annonce-là, vous me voyez venir, il y a un autre amateur slash parieur qui a fait annoncer qu'il donnerait 50$, une grosse somme pour l'époque, à Jackie s'il envoyait une balle par-dessus la clôture, en vain. Jackie était un excellent frappeur. À partir du 19 mai, il a connu une séquence de 10 matchs consécutifs avec au moins un coup sûr. Il marquait beaucoup de points. Il a touché le marbre 6 fois au cours d'un programme double contre Buffalo le 24. Mais c'était pas un frappeur de circuit, même pas de circuit à l'intérieur du terrain. Malgré sa grande vitesse et malgré le fait que la clôture du champ centre au stade de Laurimier était à 440 pieds du marbre, donc quand un frappeur passait la balle par-dessus la tête du voltigeur de centre, il pouvait courir longtemps, il l'a réussi. Aucun coup de circuit à l'intérieur du terrain pendant la saison. À la fin du mois de mai, tout allait comme sur des roulettes pour les Royaux. Grâce à son mélange de puissance, l'équipe a frappé plus d'un circuit par match au cours des 5 premières semaines de la saison, et de vitesse, les 24 et 25 mai, il y a 4 différents Royaux qui ont volé le marbre, l'équipe s'était forgée une priorité de 2 matchs et demi en tête du classement. Mais le Montréal allait bientôt être aux prises avec une série de blessures, dont une qui forcerait son joueur de deuxième but à l'inactivité pendant plusieurs semaines. Ce sera l'un des sujets de notre prochaine vidéo. Abonnez-vous à notre page Facebook et à notre fil Twitter si ce n'est pas déjà fait. Merci de nous suivre à chaque semaine et à bientôt.